Êtes là. Bonjour tout le monde, frères et sœurs de l'île Maurice, enfin partout quand tu étais dans le monde entier. Welcome to Let's Talk About God. Nous sommes aujourd'hui, nous récontinuons la parole de vie dans notre troisième partie là. Et, sorry, m'ont oublié de dire bonjour Marie, bonjour Jean, de manière. Hi. Oui. La fois dernière, semaine dernière, nous avons arrêté le Jean chapitre 1er, verset 14, quand il dit nous comme ça, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, quand on peut dire sur la gloire, on peut dire sur la grâce aussi, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ça veut dire, le film montre-nous dans verset 14, il explique-nous clairement, quand nous lisons dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, il montre-nous clairement, verset 14, que c'est Dieu qui nous trouvait dans verset 1, 1 à 3 là, et c'est Dieu là, il prend un écho pareil comme à nous, il habite parmi nous. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Maintenant, nous invitons Jean pour lire Jean chapitre 1, verset 15. Merci Jean. Ok, merci. Jean lui a rendu témoignage et c'est écrit, c'est lui dont je dis, celui qui vient après moi m'a précédé quand il était avant moi. Ça, il y a une chose bien importante qu'il nous besoin en prendre dans verset 15. Dans verset 15, Jean-Baptiste explique-nous clairement, lisez-nous comme ça, lui a rendu témoignage, il dit Jean-Baptiste lui a rendu témoignage et c'est écrit. C'est écrit quand on trouve dans sa lettre là, Nouveau Testament pas encore existé. C'est l'Ancien Testament qui existait. L'Écriture, toujours quand on parle de l'Écriture, nous parle de l'Ancien Testament. Il dit et c'est écrit. C'est écrit dans l'Ancien Testament que Jean pour venir comme Élie et pour planir le chemin de Dieu. Quand il peut cause nous le chemin de Dieu, il peut cause nous de Jésus-Christ lui-même. Il dit à nous, ça, c'est lui qui vient après moi, m'a précédé quand il était avant moi. Et vraiment, si nous sommes dans la Bible, nous trouvons Jean-Baptiste fin né 6 mois avant Jésus-Christ. Et il dit à nous comme ça, que Jésus-Christ pour venir, mais Jésus-Christ vient après lui, mais lit avant lit. Comment dire, Jésus-Christ plus grand qu'il lit, parce qu'il est montré que Jésus-Christ, il aime Dieu dans Ésaïe, tout ça, là, il explique nous que Jésus-Christ, il aime Dieu. Il dit à nous, ça, quand, verset 15, même qu'il dit à nous encore, quand il existait déjà avant moi, mais vraiment, Jean-Baptiste plus grand qu'il lit 6 mois, du côté humain, sur la terre, là. Mais Jésus-Christ, il n'a pas fait une prenaissance, sur la terre, là. Il prend naissance comme un humain, sur la terre, là. Mais Jésus-Christ, éternité, qui est déjà existé. Il finit prendre une forme humaine pour capable vivre dans la terre et faire nous comprendre qui qualité Dieu il y a un Dieu d'amour, il est nous créateur, il est nous papa, il est nous rédempteur. Et il vient dans la terre pour donner un éclaircissement du côté sur l'amour, du côté sur le caractère, du côté sa grande controverse qui peut dérouler dans le monde entier. Là. Et il vient là pour montrer nous tout ça, là pour faire nous comprendre qu'il n'a pas besoin de PLI, qui, au contraire, nous besoin de venir avec lui, il est capable de sauver nous. Quand Jean-Baptiste, il est écrit, c'est écrit, il peut cause nous dans Ésaïe, chapitre 40, versets 3 et 4. Il dit nous, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Ça veut dire Jésus-Christ, il besoin de dire l'Éternel, le chemin de l'Éternel. Il dit nous, à planisser dans les lieux arides, une route pour notre Dieu. Ça veut dire Jean-Baptiste comprend clairement sa prophétie-là, comprend clairement c'est lui qui peut venir, sa Messie-là, c'est Dieu lui-même. La Bible, l'Ancien Testament, Nouveau Testament, il travaille, un ligand qui nous peut mettre dans nous la main. Exactement, il travaille de sa façon-là. Il travaille parfait, ce travail parfait. Il dit à nous comme ça, dans verset 4, il dit à nous comme ça, que toute vallée, quand je peux dire ça dans Matthieu chapitre 3, versets 5 à 12, il peut expliquer nous l'urbaine vallée, il dit nous, quand toute vallée soit exaucée,
que toute montagne et toute colline soit abaissée. Que le coteau, en anglais, ça crook, c'est changé et en plaine, c'est changé en plaine, et le défilé étroit en vallon. Il explique nous clairement qui travaille, qui sont baptistes, besoin d'une fière ou salatière là. Les besoins aplanissent ses mains devant Jésus-Christ. Ça veut dire, dans d'autres mots, les besoins d'une prépare, ben parents, ben papa, ben maman, ben enfants, j'ôte les cœurs. Et quand Jésus-Christ vient, je n'ai aucun problème pour accepter lui parce qu'ils ont fini de trouver, quand il finit de dire avant qu'il est venu, il finit de préparer sa semaine-là. Ça veut dire que Jésus-Christ peut venir pour faire son travail clairement et tout le monde finit de comprendre, il n'y a rien pour hésiter, il n'y a rien pour manquer la foi. Mais malheureusement, travail-là, même une faire, mais toujours beaucoup finissent rebelles contre Dieu. D'ailleurs, bon Dieu finit appel nous aujourd'hui pour faire même travail qu'ils ont baptisé qui fait pour premier retour pour quand Jésus qui vient dans la terre au commencement. Et là nous besoin faire même travail encore, prépare les cœurs avant du monde. D'ailleurs nous peut faire ça aujourd'hui, prépare les cœurs avant du monde pour quand Jésus retourne dans ce deuxième retour qui peut un problème que tout du monde finit préparer pour attendre son retour. Dans Jean chapitre 1 verset 23 il dit, moi dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts, aplanissez le chemin du Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, comme a dit Ésaïe, le prophète, dans Ésaïe chapitre 40, verset 3. Dans verset 23, dans Jean chapitre 1, verset 23, il répète nous la même chose. Et vous pensez ça, l'explication qu'il me donne là, et qui ça pour faire autres comprendre qu'il travaille de Jean-Baptiste. Et maintenant, nous ici, nous avons fait le même travail qu'ils ont bâti sur une terre pour répondre à Saban Dimouna pour sa deuxième retour de Jésus-Christ là. Là, nous invite Marie pour lire verset 16. S'il vous plaît, Marie, Jean chapitre 1, verset 16. Et nous avons toutes reçu de la plénitude, de sa plénitude et grâce pour grâce. C'est ça, nous avons reçu la plénitude, nous recevons grâce pour grâce. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 2, quand la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Là, il trouvait bien clair que moi, Marie fait lire là. Il dit nous comme ça. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Ben, disciples, tous mes disciples finissent recevoir, bien recevoir dans sa plénitude et grâce pour grâce. Grâce pour grâce, ça veut dire tous les jours, ils grandissent dans la grâce. Tous les jours, grâce pour grâce, grâce pour grâce. Nous approchons, nous plus avec bon Dieu. Et d'ailleurs, nous aussi, nous devons faire mêmes affaires. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 2, Marie dit, quand la vie, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ, quand la vie a été manifestée, la vie finit visible devant eux. Je ne trouve ça la vie de Dieu là, il vient visible devant eux. Et nous l'avons vu. Ben, disciple, Dieu nous fait trouver, nous fait trouver. Et nous lui rendons témoignage. Nous sommes témoins aujourd'hui. Nous montrer, nous capables de montrer tout du monde qui ce qui nous peut dire aux autres, c'est une la vérité qui est extraordinaire. Nous venons trouver nous-mêmes devant nous lisiers, nous ne pouvons pas dire aux autres quelque chose qui nous entendait, mais quelque chose qui nous trouvait nous-mêmes. Et nous vous annonçons la vie, et la vie éternelle. Et maintenant, nous portons ça avec les autres. C'est la vie éternelle qui nous trouvait là, c'est la vie éternelle qui vient visible devant nous là. Quelque chose incroyable qui était auprès du Père et qui nous a été manifesté. Et ça Dieu qui vient de la terre là, il vient manifester, il vient visiblement devant nous, nous vient trouver. C'est pour cela qu'il nous peut raconter sa vraie histoire qui vient traverser là. Pierre dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 18, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. » Nous, nous faisons croître dans la grâce, nous faisons grandir
dans la grâce. Et pas ni dans la grâce, pas juste dans la grâce, mais avec la connaissance. Nous disons comme ça grand Dieu là, ça Jésus-Christ là, nous sauver à Jésus-Christ. À lui soit la gloire. La grâce, c'est à lui qui nous gagne la grâce. Maintenant, et pour l'éternité, amen. Croissez. Dans d'autres mots, nous dire grandis dans la grâce. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15 aussi explique-nous ça. Quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, hein, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Pas ça veut dire que ça fait gagner un paquet professeur qui vient montrer aux autres la Bible, un paquet pasteur qui vient montrer aux autres la Bible. Ça veut dire que c'est un à plusieurs papas. Non! Il dit comme ça, moi, mon fils vient montrer aux autres, c'est qu'il m'ont montré aux autres dans la Bible. Et pas ça veut dire qu'il m'ont mis aux papas. Jésus-Christ qui nous papa. Jésus-Christ qui crée nous. Jésus-Christ qui nous faisait donner la gloire au lieu de nous donner un humain la gloire. Nous tous là pour faire nous part. Mais Jésus-Christ, il est là pour grandir nous, lui, quand nous pouvons marcher avec lui, nous pouvons écouter sa parole, lui pour grandir nous dans la vie spirituelle. Vous êtes capable de regarder ça aussi dans Actes chapitre 18, verset 10, verset 11, verset 18, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Et aussi, il m'a lié à ça avec d'autres, Matthieu chapitre 5, verset 48, il dit, soyez donc parfaits. Le mot parfait veut dire mature, comme votre Père céleste est parfait. Ça veut dire, Dieu est un Dieu intelligent, Dieu est un Dieu qui n'est pas un Dieu, comment dire, il n'est pas capable de causer, il n'est pas capable de faire rien. Dieu est un Dieu intelligent et il a envie qu'il soit des enfants aussi, viennent des enfants intelligents. Ça qu'il peut dire, nous, vous avez une parfait, pareil comme il est parfait. Dans 1 Corinthiens 2, verset 6, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi le parfait. Paul dit comme ça, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi le parfait, parmi les matures. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. En d'autres mots, sagesse qui n'est pas de ce monde, ni de ce chef, ni de chef. Comment dire dans ce qu'on nous veut parler, chef nous veut parler ban prince de ce siècle, de ce monde, ban prince de ce monde. Qui vont être anéantis. Ça va être chef de ce monde-là. Tout ça là pour détruire ça. Tout ça là pour quitter la terre. Tout ça déclare qu'ils déclarent, ils comprennent, ils malin, ils connaissent tout ça là. Ils pour détruire tout ça là. Mais Jésus-Christ, il y a d'autres dieux. Il y a un Dieu qui peut amener nous vers la vie éternelle. Maintenant, c'est mon tour maintenant pour lire Jean chapitre 1, verset 17. Quand la loi a été donnée par Moïse. Et après, nous trouvons les dieux comme ça, verset 17, la grâce, le mot la, n'est pas dans grec. Moi, je disais, frère, si j'étais à faire RSS, comment moi, mon compte en faire RSS, je peux trouver la, n'est pas dans grâce. Parce que quand nous mettons la, nous pouvons faire un contraste entre la loi et la grâce. Ça veut dire une distinction entre la loi et la grâce. Mais qu'est-ce que vous montrez ça clairement? Il dit, quand la loi a été donnée, par Moïse, grâce et vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi. Qui c'est maintenant qui nous donne nous la loi? Qui c'est maintenant qui donne Moïse la loi? C'est Dieu. Il est simple, il est clair. Qui c'est maintenant qui nous amène la grâce? C'est Dieu. Dieu même qui nous amène tous les deux. Mais malheureusement, à cause de nous faibles en la chair, nous pas capables de garder la loi. C'est là qu'il nous trouve la loi hors. Mais bon, Dieu, j'ai pas de problème, mon bon enfant. Moi, vous venez, moi, la grâce avec eux. Mais la loi, jamais la loi ne sort ici. La loi, elle est toujours là. Parce que la loi, elle est bonne, elle est juste, elle est parfaite. Ça même que Dieu envie nous vienne parfait. Si nous vienne parfait, la loi, elle n'est pas crase nous, la loi n'est pas contre nous. Au contraire, nous vous paraît comme nous vous même état avec la loi. Parce que la loi, c'est une loi d'amour de Dieu. Et nous ici, nous vous comptons, bon Dieu, pareil, nous vous comptons, nos bonnes frères et sœurs. Ça veut dire que la loi n'est pas pour condamner nous. Jean dit dans verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans les siens, dans les saints, dans les saints, dans les saints du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. C'est Jésus, quand Jésus là, il montre nous qui c'est non Dieu le Père a été. Parce que personne ne trouve Dieu le Père. Nous ne trouvons Jésus-Christ, enfin pas moi, mais ben disciple qui est là déjà avant, nous ne trouvons Jésus-Christ.
Et je finis de dire que je trouve ça Dieu là en personne, c'est Jésus-Christ. Verset, par exemple, comme dans Jean chapitre 5, verset 39, il dit nous comme ça, dans Jean chapitre 5, verset 39, il dit nous comme ça, Jésus-Christ, il aime, il dit ça, c'est un juif là, il dit je te lis la Bible pour que je gagne la vie éternelle. Il dit, mais quand je te lis la Bible, il parle autres de moi. Et dans Jean chapitre 14, verset 8, Philippe dit comme ça, oh Seigneur, si tu montres-nous le Père, ça vous suffit. Montrez-nous le Père, ça vous suffit. Il dit, verset 8, il dit comme ça, Philippe intervient, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Verset 9, il dit nous, Jésus répond, il dit, et quoi? Lui répondit Jésus, après tous ces temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe? C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Jésus-Christ dit comme ça, tu t'entends qu'il m'a avec toi, tu n'as pas encore trouvé que c'est là qui est le Père. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Ça, mot-là, mon bon frère, sœur, c'est un mot extraordinaire. Mais il y a beaucoup de chrétiens, peut-être, je ne suis pas capable d'accepter ça, parce que je ne pense pas qu'on connaît Jésus-là. Je ne pense pas qu'on connaît son puissance. Je ne pense pas qu'on connaît que c'est là qui fait créer ça, le monde entier, là, ça, l'univers-là. Il crée nous en plus de ça encore. C'est Jésus-Christ, mon bon frère, sœur. Il est clair. Et nous vous imaginez ça, mot-là, bien. Quand Philippe, tu peux dire, montre-nous les pères. Jésus-Christ dit, moi-même les pères, quand tu montres tous les pères. Le Père, il y a le même caractère que Jésus, il y a. Si le Père que tu viens dans la place Jésus, n'a rien parti pour changer, tout est pour pareil. Mais ça fait montrer-nous, Jésus-Christ vient sur la terre, il montre-nous le caractère de son papa et son caractère en plus de ça. Jésus fait montrer ça encore là. Et en même temps, Jésus finit amène sur la grâce, fait montrer-nous que vraiment, il y a un Dieu d'amour, et un Dieu qui est vraiment lent à la colère, riche en bonté, compatissant, et un Dieu d'amour. Dans Osée chapitre 6, verset 6, il dit, car j'aime la piété et non le sacrifice et la connaissance de Dieu que pour plus que les holocaustes. Ça veut dire, Jésus-Christ, Dieu nous montre nous qu'il est content la piété, mais il n'est pas content le sacrifice, mais il est content qu'il nous connaît et la connaissance de Dieu. Il est content qu'il nous connaît. Plus que l'Holocauste. L'Holocauste n'est pas intéressé avec l'Holocauste. Il y a envie qu'il nous vienne intelligence. Pareil comme on lit. Dans Matthieu 12, verset 1er, en ces temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. À ce temps, les disciples, le jour du sabbat, je passe dans les champs, je fais une casse de blé, du blé, je fais manger. Et qui ben pharisien dire? Verset 2, qui pharisien dire? Matthieu, chapitre 12, verset 2. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Ben pharisien là, autres qui tu wrong là, j'autre qui mal comprend. Si j'autre vraiment, j'autre un grand prêtre, j'autre un bon Lévi, un bon Lévi, j'autre une lire j'autre la Bible bien dans l'Ancien Testament, j'autre une lire bien, j'autre qui besoin, et infini trouve ça. Parce qu'il regarde dans Deutéronome, chapitre 23, verset 25. Il dit, si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu n'agiteras pas, point, tu n'agiteras point la faucille sur les blés de ton prochain. Ça veut dire, tu n'as pas cassé tes trois du blé avec toi la main pour te manger, mais tu ne peux pas prendre faucille. Quand tu veux prendre faucille, tu peux faire un travail qui ne peut pas le vendre, mais ça, tu n'as pas le droit de faire. Et il est clair, et maintenant, pas de comprendre la Bible, eux-mêmes, et il est clair dans la Bible d'expliquer ça. Et Jésus-Christ encore, Jésus-Christ, pas de Jésus là. Jésus-Christ amène autres un pas encore plus loin. Jésus-Christ amène autres dans Matthieu, chapitre 12, verset 3. Écoute ça bien, mon bon frère, sœur. Jésus-Christ amène autres dans Samuel. Il dit comme ça. Mais Jésus-Christ répondit, n'avez-vous pas lu dans l'Ancien Testament ça?
N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ce qui était avec lui? Est-ce que David est en droit pour manger du pain consacré au ban prêtre ou ban lévite? Non, il n'y a pas de droit à manger ça. Ça ban du pain là, c'est consacré pour ça ban prêtre là manger, mais pas pour les autres du monde. Mais David fait manger et bon Dieu pas fini en colère. Bon Dieu pas fini faire David non rien ni ce ban servante quand il a l'occasion lire 1 Samuel chapitre 21 verset 1 à 6 de plutôt quelque chose que vous avez besoin de trouver peut-être là-dedans. Hein, mais je peux trouver ça histoire là bien. Il est clair que David pas qu'un droit à manger ça, mais Dieu pas fini en colère. Dieu pas fini tuer David, pas fini tuer personne. Ça montre nous que Dieu est un Dieu d'amour. Dans Matthieu chapitre 12 verset 4, comment il entra dans la maison de Dieu, dans le temple, et mangea le pain de proposition, qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui. Même Benjamin qui était avec lui, pas qu'un droit mangea du pain là, ni David aussi, et qui était réservé au sacrificateur seul, juste bon sacrificateur seul qui faisait manger du pain là. Mais bon Dieu ne fait rien, c'est que la Bible nous a montré dans Romains, Dieu ne jamais puni personne dans le passé, il n'a pas puni personne dans le présent, et il n'a pas puni personne jusqu'à l'air. Ça, c'est une chose extraordinaire, ça, mon bon frère, sœur. Mais à nous, comme ça, verset 5, il dit, « Où n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour de sabbat, le sacrificateur violent le sabbat dans les temples sans s'y rendre coupable. Bana viole le sabbat dans les temples sans qu'ils se rendent coupables. Lisez-nous ça, verset 6, Matthieu chapitre 12, verset 6. Oh, je vous l'ai dit, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Jésus peut dire, ça quelque chose qui est là ici là, plus grand qui temple de Dieu là, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Dieu lui-même qui est là, plus grand que sa temple là. C'est même qui Dieu, il pas casse la tête de sa bonne affaire là. Il y a un Dieu d'amour, il y a un Dieu intelligent. Dans Matthieu chapitre 12 verset 7, il dit si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde. Ça veut dire Dieu prend plaisir dans la miséricorde. Ça veut dire qu'il y a un désir pour aider. Il est content qu'il nous aussi nous apprenne à aider. Bonnes affaires comme ça. Il a pitié pour Bandimoun. Et non au sacrifice. Vous n'auriez pas condamné des innocents. Si Bandat vraiment comprend la miséricorde, je ne sais pas si vous condamnez ça, Bandinnocent, Bandisciple-là. Si vraiment je suis en miséricorde, je ne jamais pour condamner ban innocent. Jésus dit dans Jean chapitre 5 verset 42. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Extra ça. C'est dis-moi tout ça ban dis-moi Jésus dit ça ban pharisien là ça. Je peine l'amour de Dieu dans eux. Comment je peux sentir un Dieu, Jésus-Christ, il vient devant eux, dit à eux, ça, devant tout ce monde, dit Mouna. Et Jésus-Christ, quand il y a eux, les cœurs, il y a une crise, il connaît qui est les cœurs. Il dit non, ça, il dit à eux, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Ça même qui maintenant agit comme ça, peine à miséricorde du tout aux autres. Dans Matthieu, chapitre 23, verset 23, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Ça, il faut bien dire. Parce que vous payez la dîme de la menthe et l'année et du cumin et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. L'Église paye la dîme, mais seulement ce qui est plus important dans la loi. Je ne peux pas faire. Il dit, ce qui est plus important dans la loi, c'est la justice, la miséricorde et la fidélité. Astène dit, vous dites comme ça, la loi, nous ne plus garde la loi. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la loi? La justice, la miséricorde et la fidélité. Est-ce que nous, humains, nous gardons la loi de cette façon-là? Nous gardons la loi sur la justice, avec sa miséricorde, avec sa fidélité.
Nous devons réétudier l'homme ou bon frère et sœur. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Jésus dit, ça qu'ils ont besoin de pratiquer dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Ils ont besoin sans négliger les autres choses, sans oublier, ils ont besoin de tirer la dîme, ça oui, moi d'accord, aux autres, mais pas oublier la justice, la miséricorde et la fidélité. La justice, la miséricorde et la fidélité, les biens importants dans la loi. Si la loi peine la miséricorde, peine la justice, peine la fidélité, il n'y a pas la loi. Et la loi de Dieu travaille de sa façon-là. Si nous ne parlons pas la loi-là, ce n'est pas la loi de Dieu, mon bon frère et sœur. Osée chapitre 3, verset 1er. L'Éternel me dit, va encore et aimer une femme aimée d'un amant et adultère. Aimez-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël. Qui s'est tourné vers d'autres dieux et qui aimait les gâteaux de raisin. Et là, la Bible montre nous, ça prophète là, allez, allemand est une madame adultère. Au contraire, Dieu dit toi comme ça, faut pas tout le monde avec un adultère. Si tout le monde est avec un adultère, tu peux venir un adultère. Mais Dieu dit comme ça, sa parabole là est extraordinaire. Dieu dit comme ça, allez, allemand avec une madame adultère. Parce qu'il y a une grande leçon pour nous apprendre là-dedans. Quand nous trouvons un peuple Israël, ils finissent avec l'idolâtrie, ils finissent dans l'idolâtrie, ils finissent vraiment adultère, spirituel adultère. Mais l'Éternel toujours compte en eux quand l'Éternel toujours avec eux. Ça veut dire que nous prenons l'Éternel ici pour adultère. Mais ça que l'Éternel peut faire comprendre là. J'ai l'acheté pour 15 siècles d'argent, un homer d'or. Et un létec d'or. Lisez-nous comme ça, et verset 3. Et je lui dis, reste longtemps avec moi. Ne te livrez pas à la prostitution. Pas besoin que tu aies fait prostitution. Reste avec moi, un seul mari et une seule femme. Ne sois à aucun homme. Pas besoin d'aller avec aucun du monde encore. Et je serai de même envers toi. Jésus-Christ, Dieu, lit toujours de nous sa promesse qu'il est pour rester toujours avec nous, n'est pas pour éloigner nous, mais c'est nous qui quittons des fois, nous avec d'autres dieux. Ça qui est danger. Verset 4, il dit, les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans théraphime. Verset 5, il dit, après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi. Et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté, dans suite des temps. Mais vraiment, parfois, grand merci, bon Dieu, qui parfois, retourne avec sa bon Dieu-là. Sans qu'on ne connaisse pas si tu peux encore exister aujourd'hui. Ça symbolique qui bon Dieu fin donne nous dans sa prophète Osée qui nous fait lire là. Il dit nous ça marié avec une femme adultère, c'est représente Dieu lui-même fin marié avec un peuple adultère. Dieu montre nous qui les fin accepter pour venir nous Dieu, pour venir un Dieu adultère pour sauver nous. Et vraiment extraordinaire, ça, quelque chose que bon Dieu fait dans la vie. Mais vraiment, quand nous finissons avec d'autres dieux, et Dieu retourne avec nous spirituellement, il reste avec nous. Ça veut dire, il montre nous qu'il était content, nous, il est content, nous, pour y accepter, appeler un Dieu de sa façon-là. Mais mon souhait, pour mon frère et soeur, ça, verset qui nous finit lire avec d'autres, nous finissons avec d'autres là, mais mon souhait, qui, ça, mon verset, explique d'autres, peut-être, souris, mon à un petit peu vitesse, par cause d'autres l'air, toujours pour d'autres l'air, parce qu'ils n'ont pas envie qu'ils aient perdu tellement d'autres les temps. Mais nous avons envie de faire d'autres connaître et nous avons envie aussi qu'ils ne pas trop prendre d'autres les temps. Mais la prochaine fois, nous pouvons continuer ça, la parole de vie là, le quatrième partie. Mais nous souhaitons ça, les choses que nous faisons aujourd'hui là, qui ça pour être d'autres pour qu'on s'agrandisse Dieu là, ce caractère, ce gouvernement, avec ce l'amour envers nous. Mais, monsieur Zot, bon courage. Et si vous avez envie,
donne-nous un commentaire si tu as envie, n'importe ce que tu as envie de dire, si tu as envie, une question que tu as envie de connaître, d'autres capables, pose-nous. Nous pouvons essayer de faire nos efforts pour rendre nos autres réponses. Et priez pour nous beaucoup parce que nous avons besoin de la prière. Et c'est ça, mon capable de dire, autres. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. OK, bye bye. Bye bye.